Ben, ce sont les électeurs qui n'avaient pas signalé leur changement d'adresse, car normalement on ne peut être inscrit sur la liste électorale que si on a une adresse correspondant à son bureau. Et il y a des personnes à qui on envoyait depuis plusieurs fois, depuis 10 ans, et les lettres revenaient inconnues à l'adresse indiquée. Et ce sont ces personnes, le code électoral nous impose de les radier. Voilà, ça les personnes qui ont été radiées. Alors, à l'occasion du scrutin, un certain nombre de personnes qui venaient quand même dans ces bureaux nous ont indiqué qu'elles avaient effectivement changé d'adresse, et on a pu les réinscrire dans la journée même. Ce n'est pas un exercice facile, parce que si on apporte la preuve qu'on a une nouvelle adresse, mais qu'elle est sur le Mans, on peut avoir une attestation de la mairie, et le juge judiciaire nous autorise à une réinscription. Voilà. Celles qui n'ont pas encore fait la démarche, c'est l'intérêt aussi de cette rencontre. On ne saurait trop leur conseiller de venir en mairie dans les jours qui viennent pour faire l'opération de réinscription. Ceux qui ont continué à l'instrument, on passe à la mairie. On vient avec une attestation d'adresse, sa carte d'identité. On vous fait à ce moment-là les photocopies et le juge d'instance peut vous réinscrire. On a assuré la réinscription de 157 personnes. Ce qui est extraordinaire, c'est malgré les radiations, on a quand même envoyé dans les bureaux de vote 9000 cartes qui n'avaient pas été retirées. Et dimanche dernier, sur ces 9000 cartes qui avaient été renvoyées vers les bureaux, il n'y en a que 3000 qui ont été récupérées par les électeurs. Donc j'ai aujourd'hui 6000 cartes pour des électeurs dont je ne connais pas l'adresse. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on a fait cette première opération de radiation.